Coucou, bonjour, rebonjour. Ben, à peine j'ai donné mon numéro de téléphone, je reçois beaucoup de coups de fil. Donc, je n'ai pas loupé. Il y a des gens qui veulent discuter avec moi, qui veulent parler avec moi. J'aimerais vous dire que je suis comme vous. J'étais comme vous. Je voulais être une personnalité connue parce que j'ai des choses à dire et je pense que les jeunes vont en profiter. Donc, ce n'est pas normal que je reste sans vous donner de mes nouvelles, que vous sachiez où me trouver et quand m'appeler. Ce que j'exige, c'est le respect. C'est pas cette proximité où on dit tout et n'importe quoi. J'ai l'âge de vos mamans, de vos tantes. Il faut respecter ça. C'est très important. Je veux simplement vous donner et non recevoir des insultes. Quand j'ai été confrontée à ça, c'est là où je me suis énervée. Je suis une personne très calme, joviale, respectueuse. Surtout, j'aime beaucoup les gens. J'attends rien des gens, mais j'ai un besoin essentiel de partager parce que j'ai un certain âge. Il faut la relève. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de vous donner mon numéro, que je vous redonne tout de suite parce qu'il faut qu'il y ait de l'échange. Le 00-337-52-30-65-94. Et je vais chanter pour vous. Je chante aussi. À mes moments de réconfort, de solitude, il m'arrive de chanter. Et ça, cette chanson, je l'ai écrite pour les femmes seules qui sont souvent sujettes aux avances des hommes mariés. Et il y a trop de femmes aujourd'hui. Ce que moi je veux, que je souhaite, c'est que les hommes mariés partagent. Parce qu'une seule femme qui bloque un homme à la maison, ça crée des frustrations. Il faudrait que les hommes partagent vraiment le bonheur. Et surtout, ça aide la femme qui est à la maison, qu'elle n'ait pas un mari malade qui est atteint de la prostate. Quand ton mari va s'entraîner dehors, ça permet que tu en profites et les autres aussi. Dieu nous demande de partager. Quand vous partagez le mari d'autrui, il ne faut pas en informer la propriétaire. C'est ça qui crée des conflits. Vous profitez calmement et bien. Est-ce que c'est facile ici dehors? Bisous.